Amis téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, quel que soit côté ou branché Radio Télé Guinée, qu'on y a nous tout entier, dans tout pays et dans le monde entier, nous-mêmes, nous regarantissons encore notre bataille, notre privé ensemble pour nous capables de bâtir le pays. Son devoir que nous gagnons, son héritage que nous gagnons, c'est chaque jour pour nous garder comment que nous-mêmes nous travaillons pour le pays, pour nous améliorer la vie, là-dedans, pour nous bâtir. Pour génération qui a venu derrière, pour nous-mêmes le nouveau aller, pour dire ah même si avant nous, t'es gaspillé héritage là, mais nous-mêmes qui s'en café ensemble. Non pas M. Jean-Lucien Borges, je suis très content avec vous pour tant qu'au banon pour nous capables ensemble parler d'Haïti, parler de pays, parler de pays PAM et pays PAM nous ensemble que n'a pas prendre la génération qui a venu apprendre à dire pays PAM nous. Avec moi pour édition ça, moi gagne. Honorable sénateur Kedler Augustin, sénateur de la République et sénateur du département du Nord-Ouest et président du groupe majoritaire au Sénat. Donc là encore, sénateur, Mabdou, bienvenue, mais graduellement, parce que c'est bâti n'a bâti moun. À chaque fois que moi se vois dans bâti Haïti, on dirait où on garde ou pas. C'est dans la construction, parce que l'on bâti on caille. Premier bloc, là, quand on peut vous mettre la terre, mais là, on commence à prendre deux blocs, trois rangées, quatre rangées, vous obligez une échelle pour monter. C'était candidat. Et candidat étant, on y a nous venu recevoir sénateur. Ouais. Sénateur, avant tout, qui qu'on a fait plaidoirie, non seulement pour le département, et puis pour héros, tout dans le département. Yeah. Petite cabre là, moi. Petite cabre là. Yeah. Donc, je dis à mandant, vous voyez dans le Sénat, en tant que sénateur du département du Nord-Ouest et sénateur de la République, et qu'on y a d'autres mandataires, d'autres mandats, alors qu'on y a un bon mandat dans oui. L'autre monde du groupe majoritaire. Donc là encore, c'est l'autre étape. Nabdou Excelsior, et bien travail pour nous carrer nous pire toujours. Bienvenue, sénateur. Je vous remercie, directeur. Je salue tout le staff Radio Télé-Guinée. Ça a fait effort pour l'émission ça vous transmettre aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour me participer dans l'émission ça qui pour moi-même c'est un panel qui bail possibilité pour un pile monde qui gen bagaille dans tête yo qui gen bagaille que yo a fait qui gen bagaille que tu as envie faire venir exposer yo pour ensemble nous capable changer mode de débat traditionnel politique là pour nous capable plus actuel sur la construction d'ailleurs nous emporter tête li. On profiter d'abord pour me saluer toute population haïtienne mobilisé qui a suivi l'émission ça et bien évidemment de manière particulière on salutation pour mon Nord-Ouest qui ban mandat qui fait que en général tout grade dit que moi c'est pratiquement c'est eux même qui ba yo en bas grade ça mon qui a poussé grade là c'est population Nord-Ouest et tout simplement moi souhaiter que grade ça là nous constater capable pour le meilleur d'Haïti et pour le meilleur du département du Nord-Ouest un département qui c'est lui-même qui fait me faire politique. Monsieur est certain que si je ne suis pas dans le Nord-Ouest, je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans la politique du tout. Donc, c'est le département PAM qui fait me faire dans la politique. Moi, je voulais et ma bataille pour que pendant là, que j'ai un autre traitement. Et moi, je suis simple citoyen, nous avons parlé déjà comme intellectuel professionnel. Moi, je suis sénateur, c'est vrai. Koulia, moi, c'est président du bloc majoritaire au niveau du Sénat de la République. Et je pense que tout ceci est à l'actif de la population du Nord-Ouest. Qui c'est lui-même qui a fait choix ça. Mais pendant que j'ai exercé la fonction ça, tout, je n'ai pas assuré que la fonction ça n'a pas retiré sous revendication fondamentale que j'ai gagné pour la population Nord-Ouest, en commençant par la bataille que j'ai menée pour respecter la dignité de mon Nord-Ouest, mais surtout la fierté, le courage de ce grand homme qui a marqué l'histoire, mais qui a toujours traité un parent pauvre qui s'est capable à la mort. Donc, je fais quelques avancées déjà sur la question de la moi. J'en profite pour remercier Radio Télé Guinée pour le support inconditionnel que le débat est pour réussir. Faites ça, que moi, je viens pour une dimension nationale avec Anessa. Il n'y a pas de cap en dimension nationale si pas de gain en Télé Guinée qui permettent le monde entier où est-ce que tu as fait. La population nord-ouest reconnaissant, Anne-Cap Cap Vini n'a pas le fond, l'autre bagarre encore. Je dis à nous là, je fais travail pour la population avec un pile fierté. Je pas être dans le Sénat et tout petit. Je remercie tous les collègues qui bien accueillent tout. Je salue les collègues de la majorité autour qui fait choix de moi-même comme président de la majorité. Et je suis très satisfait de eux-mêmes. Donc, moi, j'étais là, moi, j'étais commencé. Moi, je connais que l'homme est venu dans le Sénat, je suis capable de porter. Et
m'a essayé porter ça tout le monde connaît que m'étais capable porter dans domaine que connaît m'étais capable porter là et me faire avec âme et conscience et avec une science m'a fait science sans conscience moi faire avec référence parce que arrivé dans Sénat nous faut effort qu'on paquette notre collègue qui dans deux grands qui est dans majorité dans minorité parce que notamment nos salutations tout à la minorité que dans majorité mais saluer sénateur minorité que vraiment pile parce que démocratie pas faite sans contradiction et contradiction a mené un camp l'autre camp il est pas toujours facile pour les deux camps au gain 15-15 pas toujours un grand camp en plus pour venir les majorités un camp qui vient en moins pour venir des minorités et c'est autour de ça c'est combinaison tout de ça là on frappe ensemble que pays a capable d'un côté pour le passer sauf que nous regrette que frappe de côté ça pas seulement dans le parlement il pas toujours permettre pays avancer faut que nous avancer pour arriver dans situation côté que frappe minorité à majorité c'est pour bagaille qui fait pays à faire bac mais son bagaille qui profite à ma pays et là ou pas l'autre bagaille c'est le respect des règles le respect des normes conscience que m'a parlé à courage pour dire la vérité et puis fierté à mon beau pays à donc moi-même tout ça que m'a fait dans le Sénat moi je voulais qu'il y quatre bagailles ça qui c'est l'ordre courage conscience et puis fierté donc sénateur nous pas aller plus loin dans l'émission dans l'édition ça tout autant que une balade spéciale parce que semaine ça c'est semaine journée hier spécialement nous 11 jours après côté quand même quoi au gain mandat qui des femmes et dans un mot spécial à les droits de mandat femme au dans département mes amis, non seulement dans le département et puis qu'on est à Nabjambi dans la république qu'on y a moi pas allé et moi pas allé dans département anessa mais moi voyons un gros coquin coup de chapeau pour toute groupe femme moi gagne pas les cité mais c'est me cité ma femme pile jalousie mais gagne on pas capacité femme résistance et Maguito docteur Lina Stefano donc m'a parlé de madame Dassé madame Makeli toute équipe et puis toute l'autre groupe femme moi gagne au niveau Chansol au niveau B2N au niveau la tortue groupe femme la tortue Bombade et au niveau Jarabel et bon femme la visite Chansol Margaret Manluc la quoi moi salue tout le monde est très content et salutations ça yo en pile parce que Koufi yo t'ai supporté en pile jusqu'à présent du Québec ensemble avec eux moi parler seulement que bagala c'est ton bagala comme si son stratégie bah quelques monde pour que la loi bouche pour parler pour revendiquer bagala personnel à partir d'un bagala objectif et me da souhaiter bataille fia devenir plus rationnel et me crois que mesdames yo ka toujours compter sur moi même dans Sénat mais compter sur moi dans le respect de l'ordre avec courage, avec conscience et selon ma fierté. Donc ça veut dire que pendant que m'a parlé de ça, nous pas un sénateur qui parle démagogie. Par exemple, il y a des bagages qui fait là, nous pensons soit avancer moi-même, bah yo avancer que soit vienne dit en paquet mauvaise interprétation, que soit vienne dit 30% filles, moi me les a démagogie, tout le monde connaît tempérament pam et m'pas dit bagage même si me connaît groupe fio pour moi-même, même pas dit bagage me connaît pas ça. On fait au plaisir. 30% filles malheureusement yo mal comprendre. En aucun cas dans un régime démocratique, il n'y a pas de faire une loi qui vient exiger qu'il faut gagner tant bagaille. C'est une loi de discrimination, même si c'est une discrimination positive que liée. Et ça, dit là, il n'y a pas fait pour fonction élective. Malheureusement, à chaque fois que je suis opiné, je mets des fonctions électives là-dedans, qui sont en forme d'atteinte au principe démocratique qui veut que c'est sous bad, mon qui gagne plus de voix, soit mon qui vote, mon qui fait élection. Là, on dit ça, c'est dans l'administration publique parce que c'est l'État qui choisit mon appel d'administration. Mais elle ne peut pas atteindre les questions électives. Malheureusement, moi, que vous faites pour Kazek, pour Azek, vous exigez une quantité de monde pour aller. Ce qui constitue un problème parce que d'un côté, jusqu'à présent, FIA pour qu'on veut faire politique. Ce n'est pas la loi qui va le faire politique. C'est dans la société pour encourager le faire politique. Et puis pour loi, vient constater cette avancée dont la loi pour ne pas faire, pas encore pour ne pas tourner. Mais ce n'est pas la pour mettre avant, et pas la loi pour mettre avant, et puis pour dire pour le faire. Ou pas, je ne pas qu'être fille qui parle de politique. On a juste mis dans le conseil, mais il n'est pas vraiment intéressé à ça. On pense que c'est des problèmes pour nous aborder avec tête reposée, pour permettre que l'on a fait un bagage, c'est un bagage qui est sous démagogie, pour même ça n'a pas demandé à nous nous entrave au processus démocratique. Donc, on pense que ça, c'est extrêmement intéressant que y ait des gens qui viennent dans le Parlement qui fait précision ça. Là, on parle de 30%, c'est dans l'administration. Il n'est pas capable pour les postes électifs. Parce que les postes électifs, c'est comme capable pour l'élection, pour examen en médecine, non? Ils font un concours et puis vous dites comme ça que, quelles que soient les conditions, on prend 30% de filles. Ouais. Alors que son concours lié, pour ça, le bal frère, il peut opérer les gens, comprendre, chirer 20 personnes, et puis qu'on a fait les gens qui sont plus forts que tu es capable d'arriver, sur une base pour la démocratie.
démocratie pas démagogie. Démocratie son façon pour faire bagaille au bibier parce que gè côté le ka aller, gè côté le pas ka aller tout. Malheureusement pour faire ou gè moun qui prend toute bagaille pour faire politique, pour faire moun bio ka voter, malheureusement population pas toujours ouais moun kap di bagaille objectif là comme ça. Moi même moi prend engagement pendant là pour me gè courage pour me dire tout ça objectif. Donc sénateur précision ça quand même c'est la vérité que oui, c'est vrai que jouet là il faut un café il faut nous pas perdre utiliser à des fins politiques tout le temps parce que politique là il faut le couper tout devant technique là devant technique là bien que en même temps il besoin aide ni technique ni toute ratio pour permettre bien gérer et bien serviciter autrement on a toujours chargé problème oui. Alors avant nous entrer dans objectif nous aujourd'hui en dans sénat donc comme nous toujours féliciter monde d'abord pendant nous dans le département nord-ouest là nous avons dit que m'a profité occasion en tout pour me saluer départ une petite capoir la mort qui allons dans le langage pas nous qui dans orient de port de paix la caillou c'est Udalbert François sans doute nous quoi toute équipe grand orient là et funérailles monsieur a chanté donc nous profiter occasion ça son l'autre gonon dans nord-ouest ça on l'autre petite nord-ouest oui c'est un professeur de carrière que me connaît très bien on toujours elle m'aller donc c'est avec un pile tristesse que nous apprenons dans maître Albert et moi profiter ces circonstances pour nous souhaiter condoléances à toute famille en ses élèves les amis donc c'est un groupette parce que son monde qui a une très bonne notoriété au niveau du nord-ouest aimé par tous les étudiants donc personne de bon commerce donc nous perdons un gros monde dans le département donc eh bien bon côté pas moi passé vénérable maître de la respectable loge la républicaine numéro 19 n'a dit bon courage ami n'a profité tout saluer départ voyage ça pour l'au-delà de collègues là donc nous compte toute bagaille et nous-mêmes nous dit condoléances à famille et à tout le monde qui a accompagné lui spécialement grand orient qui l'a déjà à l'orient de port de paix donc c'est salué la vie la mort, donc c'est tout un avancement l'une vers l'autre. Chaque pas qui fait depuis la naissance, son pas vers la mort. Ouais. Donc, nous pas capable d'accepter, mais cependant, nous connaissons que grand architecte là-bas, côté parle, pour qui ça que le fait, c'est cela le mettre devant l'homme, son challenge pour capable de bien faire, pour qu'à penser de vous-même, l'or pour aller. Donc, sénateur, nous, en allant au Sénat, je dis à nous, on fait combien de fois on a parlé de monde. Mais je vous dis, je vais recevoir le président du bloc majoritaire là, mais sénateur d'abord. Sénat, parlez-nous de Sénat. Comment sentez-vous le Sénat hier, je vous dis? Bon, la chambre haute. Bon, moi-même, je pense que le Sénat jusqu'à présent n'a pas comporté nous bien. Et nous, je suis venu sous présidence, président Yuri Latortue. C'est le monde qui est entré tard, donc parmi les gens qui sont premiers venus. C'est parmi les sénateurs qui sont entrés en dernier. Et sous présidence de la tortue, nous avons une performance Sénat. Côté que tu as gagné une quantité de lois que nous-mêmes nous avons voté. Et nous avons initié la question du contrôle de l'action gouvernementale également, que nous n'avons pas fait assez bien pendant le Sénat. Et nous avons parlé de ça à la population, nous avons parlé de ce qui intéresse véritablement la population. Autrement dit, pile fois, la bataille est souvent intense sur le terrain politique. C'est que de pour sénateur, c'est un tel, c'est un tel. Chaque monde est monde par eux. Mais en pile fois, population en parlant eux, c'est que de pour sénateur, bien un tel pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire véritablement? Est-ce qu'il compte ça le faire? Est-ce qu'il est compétent pour le faire ça le faire? Et je pense que les leurs pour nous arriver dans ce type de débat, ça aussi nous voulons pays à changer tout. Parce que jusqu'à présent, débat c'est qui est tapé, nous beaucoup de gens posent des questions, qui ça le faire? On dit que c'est pour nous mettre. C'est après le mandat, on a dit qu'on ne parle pas, on est déçu. Donc, moi, je crois que là, nous sommes arrivés dans le Sénat, nous jouons le contrôle de l'action gouvernementale, qui est une très bonne chose sous la présidence du président du sénateur Yuri Latortue. Alors, ce que tout le monde connaît, le rôle d'un sénateur, c'est faire loi, contrôler l'action gouvernement, et puis fonction de représentation, c'est-à-dire que représenter, et je suis capable de dire, la population. Donc, à partir de ce moment, moi estime que c'est un très bon bagage. Moi, j'ai pris plaisir à assister à toutes les séances, participer dans des débats sur la loi et participer dans des débats sur le contrôle. Moi, même à côté de travail, ça,
au niveau de faire loi et fonction de contrôle par intermédiaire des questions orales au gouvernement que la loi prévoit. Moi-même, tout me fait de contrôle sur le terrain tout. C'est-à-dire que le département Pamelan, côté que nous avons des projets qui ont fait, eh bien, nous déplacer en pile froid tout pour nous vérifier. Donc, je pense que c'est un exercice qui est extrêmement intéressant parce que vous pouvez le contrôler. Ce n'est pas moi-même qui est exécutif là, même là, je vais avoir pression pour permettre que l'aller dans le sens de la population. Enfin, ça fait que je me déplace en pile moi-même personnellement sur le terrain. Malsaine du Nord, dans l'inauguration stade là, mal visité, je vais pression pour question centrale électrique là. Et pont Saint-Louis du Nord, pont la rivière bas, mal visité, bas pression, et ça marchait. Et m'invite tout collègue à faire ça. Ou de cas vous, je vais à voler, je n'ai pas besoin de parler. À un certain moment, je crois que mon président est à couteau tiré. Et tellement que je bas pression pour lui. Et jusqu'à présent, pas longtemps encore là, je crois une semaine, ça qui s'est passé là, dimanche qui s'est passé là, je suis sur route là encore. Donc, une semaine pas passée pour mal contrôler. Et là, je suis arrivé, je crois que j'ai un pile de bagages qui me permettent de débloquer. Débloquer le travail là, bloqué. Le travail là, qu'on bloque pour un cas d'huile. Il compte bloquer pour un caoutchouc qui est en panne. Et puis toute la population a souffert. On rend compte que ce wagon sénateur qui est soucieux du département parle, qui a passé à chaque instant pour mettre la pression parce que la pression, ça m'a bien là, c'est le peuple qui va me pouvoir ça. On t'y mandat, on t'y levé, mais t'y levé, mais ça, on a fait pile bagarre avec lui, on a pas utilisé. L'on va vendre ni tout. L'on va vendre le mandat. On a gagné le vendre ni tout. C'est-à-dire que. Corriger le bâtiment. Ou arriver et puis le peuple n'a pas arrivé. Donc moi-même, moi fais ça en pile, moi fais en pile contrôle, m'a les gens à Bel pour mettre banque sur ça, gens à Bel, ça c'est ton voyage d'Irémé avec tous les trois sénateurs. Mais faut me défendre, businessman du tout parce qu'on bâtit Haïti, c'est tout le monde, c'est mon satellan. En même temps, tout si négla c'est acheter, l'acheter, s'investir, pas gagner rien à voir avec vous-même. Donc c'est comme l'idée mettre dehors son 1000 gouttes qui veut acheter un vote. Donc ou pas qu'à attendre rien de lui-même parce que il est en pays déjà. Donc faut mettre dans les deux bords. Ok, bon, mais il n'y a pas d'adresse comme ça. On pense que dans tous les pays, secteur privé ou bien l'autre monde finance la campagne électorale, mais il faut que nous arrivions côté que financement ça n'a pas vienne, fait que vous obligez de poser des actes qui l'a pour mettre ce mandat. Pour mettre mandat. Il suppose arriver à partir de vision politique, d'un ensemble de programmes pour développer. Moi, je crois que si vous avez un programme pour venir craser à faire businessman ou pas venir businessman financer la campagne, et je pense que l'homme arrivé, ou au moins c'est créer des conditions propices à l'investissement. Ouais. Et donc, même pas quoi que l'État supposé arriver comme un format d'aliénation totale de monde, non, à un monde. Et je pense qu'il faut que nous arrivions dans notre situation. Donc, je pense que le Sénat, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure.
Zanmi yo, telespektateur, telespektatris, auditeur, auditrice ki ap tande nou nan peyi a tout antye, nan le monde antye, tout antye. Se nouvo slogan nou, paske ou menm nou konnen se tout pèp la, tout antye tout, ki ap tande, paske Radio Télé Guinée CG ak zorey, tout peyi a, tout ayisyen. E nap bati Ayiti, evite ou a panse sa, menm lè ou pa t'arive, ou menm mete men, men avèk panse ou, ou ka ide tout lòt moun ki ap bati, tout moun tout ki gen ide pozitif. Tout le monde qui a bataille pour faire respecter le pays, pour relever l'image du pays, pour abgoumer, pour trouver toute dignité nous, de héritage sale que nous avons, qui est l'Haïti. Je dis à l'édition ça, nous avec le sénateur de la République, honorable Kedler Augustin, sénateur du département du Nord-Ouest, et en même temps président bloc majoritaire dans le Sénat. Donc nous n'avons pas avancé dans le sénateur directement. Vers Petro-Caribé, rapport Petro-Caribé. Petro-Caribé, dans l'esprit, le monde qui crée là, le président Chavez, Venezuela, c'est pour aider l'autre pays, pour pays capable de tête. Donc, nous n'avons même besoin de trois fonds là-dedans. Mais cependant, nous même tout, son dette que liée, c'est pour don. Et nous avons fait un pile bruit avec lui. Qu'on y a qui ça que lié? Qui ça lié? Il y a un rapport, il y a un X, il y a un Y. Là, nous même nous avons posé tête nos questions. Haïti toujours brique ou une nouvelle gaille. Donc ça, rapport Petro-Caribé, est-ce que son rapport ou bien qu'il a pour ta diviser nous plus toujours ou bien pour ta unir nous ou bien nous avons tendance à utiliser ça qui a divisé nous, en fait plus bruit avec que ça qui pour ta unir nous pour nous mettre toute force nous ensemble pour nous travailler pour nous bâtir Haïti. Rapport Petro-Caribé. Bon, qui ça lié? Pour les bagages, je suis capable de dire, directeur. Alors, comme nous avons une image, on fait regarder la présentation rapport. Présentation rapport, on allait là-dedans, okay. Parce que nous vivons en novembre 2017. Pas un problème. D'abord, c'était le sénateur Yuri Latortue, qui lui-même a une première version rapport, et puis deuxième version lui-même, pendant le président, on regardait la présentation deuxième version. Donc, nous avons 10 novembre 2017. C'est remise rapport commission. Hein, par sénateur Valier Beauplan, à président, ancien président, commission, et dans moment ça, qui était président, assemblée. Assemblée. On allait. Que toute équipe là, gagne équipe là, n'a pas comprendre ni puis devant. Nous portons rapport aujourd'hui sans signature. Parce que président tient à ce que tout le monde au courant de qui ça qui en dans rapport là avant que yo prenne responsabilité pour signer. Document ça, c'est Sénat ban nous mandat pour nous faire pour nous approfondir une enquête qui était déjà faite déjà. Mais ça quand dans document ça, c'est document pays à nous considérer que lié. Nous enquêter sous 13 résolutions plus de 300 projets qui étaient en ligne de 2008 à 2016. Et nous avons prévision pour le gouvernement qui était venu après 2016 ans. Nous déjà avons piste pour que nous soyons capables d'approfondir l'enquête sur lui, puisque madame est arrivé jusqu'à fin président Matéli. Nous pas forcé personne à signer, même moi-même comme président pour signer, parce que le président Yuri a dit quitter sénateur pour connaissance des documents. Tout le monde qui participe à l'élaboration des documents, nous avons jusqu'à week-end. Et mardi, le dépôt officiel devant l'Assemblée sénatoriale. Et laisse à tout le monde après connaissance des documents qui s'accla dans. Et s'il y a des critiques que vous devez adresser à l'endroit de la commission, il y a déjà fait. Et tout le monde après responsabilité que la nation te baille pour signer un document. Ça ne devait attendre, c'est le grand document. Ça ne nous pas invité de ne pas rendre un document parce que le document chita sous analyse exhaustive, minutieuse, de l'ensemble de ça que. Nous avons gagné comme élément disponible. Nous enquêtons sur 8 ans Petro-Caribé, mais toutes les institutions n'ont pas collaboré. Ça veut dire que nous avons ensemble de documents que nous n'avons pas joints. Documents que nous n'avons pas joints. Maintenant, nous renvoyons la question à la justice pour l'approfondir parce que lui-même,
son force contraignante est capable de contraindre mon bail document. Mais nous-mêmes, nous restons strictement dans le document qui était à la disposition de nous. Et c'est lui qui va nous analyser, je qui permet le document ça là. Parce que nous sommes capables de ranger tête nous devant la presse que c'est pour la première fois. Il y a une enquête de si grande importance à faire en un pays. Et dans le moment où je parle là, je dis là, pas de journaliste qui a dit qu'il s'est candidat pour ça. Dans le moment où je parle là, malgré relations amicales que j'ai avec des journalistes, pas aucun journaliste qui a pris même un petit bout de vidéo de 30 secondes, mettez-le dehors pour dire ça, lié mané de Petro-Caribé. Donc, nous mettons une discipline à nul autre pareil pour permettre que bagay la fête, il fête bien. Et c'est ça, je suis un privilège ce matin pour me faire, puisque le président Sénat, il a, tout autant que le sénateur n'a pas connaissance du dossier, je n'ai pas de droit, j'ai en principe exigé le contenu dossier, mais travail là officiellement, je vais le remettre avec quelques membres dans la commission, je remettre 26 copies. Il y a 29 sénateurs, puisque le sénateur Kato déjà prend un copipal, moi-même, moi j'ai un copipal, le sénateur Nenel j'ai un copipal, donc je remets par le président de l'Assemblée à 26 copies pour m'assurer que chaque sénateur joue une copie. Et je remets par le président de l'Assemblée à 26 USB tout, à savoir si les sénateurs ont besoin de documents sur ordinateur pour ne pas dire que son document dur que vous avez, vous n'avez pas gagné amplement de temps pour délire. Nous nous font bagarre de la transparence pour permettre que au moins pays après notre. Nous recevons ce travail là. Premièrement, moi-même comme président Sénat, nous très satisfaits. Puisque de janvier à nos jours, eh bien, nous avons tant de rapports, mais c'est un gros travail que lié. Moi-même, j'ai fait expérience là déjà. De temps en temps, moi-même, qu'on a écrit sénateur Beauplan pour bagarre travail là, tout le monde a compris que comme président Sénat, Wolpam, c'est récupérer le travail. Pour mener au devant l'Assemblée. Mais moi, conscience, importance ce travail-là. Et je dis à félicitations à la commission. Ça. Parce que le, nous avons fait travail ça, nous avons les mêmes difficultés. Et le sénateur Beauplan vient prendre, nous avons les mêmes difficultés. Parce que nous avons la corruption en Haïti, mais nous avons long. Nous agi à l'externe, nous agi à l'interne. Ouais, nous empêché les gens documents. Donc ça veut dire que pour le travail arriver là, c'est un pile travail, un pile pression nous-mêmes comme institution pour que nous déjoignions des documents et nous arrivons vraiment, félicitations, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que le travail ça a montré que le Sénat comme institution, et bien comme pouvoir, nous a dit que le Sénat a montré à tout le monde, à toute population, que vraiment, les gros travail pour faire du café. Pas oublier, c'est de 2008 à 2016, pendant 8 ans. Bon premier rapport qui fait, eh bien, Sénat te dit, yo félicite le travail, mais on va dire approfondir. Bon deuxième, et il fait. Ici, on a fait enquête sur un bagage qui passe pendant 11 semaines, il prend 2 ans. Là, c'est pendant 8 ans. Donc, félicitations à tous les sénateurs. Et je pense que l'institution, après prendre, j'arrête les. C'est peut-être ça, moi-même, à peine me lancer. Le sénateur a fini de faire travail comme ça, au pays de nuit. Il est important pour mardi, 2 heures, tout sénateur présent. Parce que travail ça, ce n'est pas un travail, moi je dis pour un sénateur, son travail pays. Il vient fait, depuis 2 ans la fête, je dis à la population attend. Et c'est en ça, nous allons demander toute télévision dans le pays, étranger, nous allons inviter tout le monde pour venir dans le débat, puisque son bagage est extrêmement important, son rupture. Que nous dit, eh bien, au niveau du pays, pour que, justement, une fois pour toutes, le monde connaît que, eh bien, il y a des bagarres ou fait, il n'est pas prêté, impuni. Troisième chose, nous gagnons un copio qui l'a, eh bien, normalement, tout document, faut sénateur recevoir 48 heures dans l'avance, eh bien, document ça, nous bâillons du vendredi, et. Rapport à TV, nous présentons une première fois déjà, avant d'être ça. Le rapport à Tevin présenté, nous pas de parer pour nous t'entendre rapport à discussion Tevin campé. Au son sénateur, on t'a demandé un peu le temps pour analyser rapport. Et dans analyser rapport, et quelques temps d'un mois, quelques temps de même 3 mois même. Moi-même, moi pas tellement parlé jour ça, mais moi j'étais quoi que faut que nous dégons 2 semaines parce que je pensais que par respect pour la population, si Assemblée a dans pouvoir que règlement interne
et constitution en Bali. Les former en commission. Peu importe que commission ça pour moi même, il pas légal, il pas constitutionnel. Mais c'est le verdict de la majorité, c'est ça me t'a dit tout à l'heure. Moi pas d'accord. Ouais, si me dit là, m'a bataille contre ça parce que on est pas constitutionnel. Même venir en retard et que la majorité qui décide ainsi, c'est la majorité n'a pas toujours raison, mais on doit respecter la position de la majorité. Au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, c'est ça qui fait que dans la séance, je ne vais pas parler en pile. Et si vous regardez, si vous regardez la séance, après que je ne parle très peu, c'est la première séance où je ne parle en pile. Je fais deux interventions. Je fais deux interventions pendant la séance et puis je parle le Guinée fini. Dans l'interview que le monde qui était parlé, je me parlé. Le président Yuri parlé. Sénateur Non Dieu parler, sénateur Beauplan parler, moi même j'étais venu parler tout parce que m'étais gagné causer pour me dire. M'étais gagné causer pour me dire parce que m'étais quoi que ça que t'as fait tu pas conforme à la loi. Même j'étais venu trop tard dans un monde déjà trop vieux. Donc je ne pouvais que me courber à la loi, qu'obéir à la loi de la majorité. Donc moi, je me rends compte que, par respect pour la population qui était bah, chaque sénateur sa mandat, il faut que tu prennes ça pour lire le rapport. Là. Parce que de quoi s'agit-il? Qui s'appelle Petro Caribe? De quoi s'agit-il? Comment le fait dans le Sénat? Exactement. Et qui côté le dédouillé? Parlez, Petro... pas avec moi, parlez à la population. Merci. Parlez à tout le monde qui a attendu et qui a gardé nous. Petro Caribe, c'est un fonds qui est créé par la République bolivarienne de Venezuela. Qui était gagné pour président Hugo Chavez, qui passe autre part un grand ami d'Haïti, que nous saluons de parler encore, qui a reconnu la contribution d'Haïti dans la lutte pour la liberté à travers le monde. Et c'est pour nous-mêmes, un peu plus loin, un signe de reconnaissance, une marque de gratitude à l'endroit de Mounzao, que nous toujours, pour nous parler de bien, c'est à eux-mêmes pour nous référer nous encore presque. Des mondes comme Toussaint Dessalines, Christophe Pétion, Capra la mort. Donc, ils ont rendu compte qu'il faut que tu portes une contribution pour nous-mêmes, même Jean Cuba, toujours elle qu'on l'a, une forme de coopération sud-sud pour les gens qui versent dans haut niveau de politique. Là. Fonds a créé le 29 juin 2005. C'est Venezuela qui rend compte que à partir de ressources naturelles, ils sont capables de mettre en forme de coopération, d'entraide dans eux-mêmes. Qui pourrait permettre que le pays Caraïbes, avec le pays qui est dans la zone, soit capable d'acheter pétrole à des taux préférentiels. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas payer le même genre que nous avons acheté gaz cher. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Lorsqu'on est que le fonctionnement de la société, il y a pile de dépenses qui sont faites pour le gaz. Lorsque là où on décide d'aider, ce sont des choses qui sont liées véritablement. À quoi ça a signé lui-même le 15 mai 2006, par le gouvernement haïtien. Nous signons avec. Petro Caribe en général vini 29 juin 2005. Nous-mêmes nous signons le 15 mai 2006. Et d'après accord ça, nous avons joint 14 000 barils de pétrole par jour. C'est ça que nous avons joint dans l'accord ça. Et nous avons une possibilité pour nous rembourser le paiement ça. Nous ne payons pas d'abord, non. Nous payons, nous frais, nous payons sous lit, conforme de redevance. Et puis, nous avons vendu pour nous remettre. Mais pour cela, il faut que vous soyez obligé de signer l'autre accord encore avec BMPAD. BMAD, Bureau de motorisation, lui-même que nous avons parlé de lui en pile, il y a au moins trois directeurs qui passaient sous lui. C'est l'organe ça que l'État haïtien était désigné pour te permettre de faire ça. BMPAD. Donc. Mais c'est haïtien, oui. Oui, haïtien, BMPAD en Haïti, qui est un directeur général là. Sous juridiction. Oui, Haïti. Donc, qui est sous le ministère des Finances. Ils ont signé le 12 mars 2007 avec BMPAD. Autrement dit, pour l'État haïtien, c'est BMPAD qui est responsable de faire transaction ça. Payer gaz là, prendre gaz là, vendre à monde de grandes compagnies sur le terrain qui vendre. Donc, monde ça bail l'argent, ils bail au gaz là, ils bail au gaz là sans nous pourquoi bailler et puis nous rembourser l'argent nous bail. Voilà comment font ça avec mon temps plus cob qui te permet que nous vienne combler déficit budgétaire nous. Permettre que l'État haïtien vienne une autre source de revenus qui permette que il est capable d'utiliser vers le développement d'Haïti. Maintenant, nous arrivons aujourd'hui, nous venons un Sénat qui décidait de remettre en question la gestion des fonds, du fonds Petro-Caribe. Par l'exécutif. Par l'exécutif. Okay. Qu'il y a,
li vin important pour que population moi-même et c'est pour cette raison que moi pas tellement parlé sur question ça au commencement m'a dit population jodi a ça que sénateur te voulait faire depuis 2008 à nos jours ça s'appelle le contrôle de l'action gouvernementale si c'est pour le contrôle de l'action gouvernementale c'est droit sénateur à même pour le contrôler même j'en me dit m'a contrôler là qui ça cap fait pour assurer que les différentes actions que le gouvernement à travers les ministères sectoriels a posé est capable d'aller vers le bien de la population. Donc pour nous-mêmes, c'est tout à fait normal. Mais il faut dire également que c'est tant qu'on nous rate un train. Sénateur qui était là, j'ai raté occasion pour te faire contrôle ça. C'est-à-dire pour te faire ça la loi dit normalement parce que le contrôle de l'action gouvernementale sont prérogatives naturelles que tout sénat gagne et tout parlement pas nous en gagne tout. L'exercer comment sénateur a gagne droit les questions écrites au gouvernement, c'est-à-dire que en tant que sénateur, me carité jodi a moi écrit au ministère, vous demander explication sur tel projet qu'a fait, mais un peu pas explication sur même bagage ça. Sur même ça on mettait dans projet au dit dans Petro Caribe. N'importe sénateur te gagne droit ça, un article dans règlement interne qui bail droit ça. Pendant la fonction. Pendant la fonction. Sous estime ou pas satisfait ou pas tellement bien avec la tour, vous voulez faire plus corsé, vous faites les questions orales au gouvernement. Ça n'a fait tout le temps là. Les ministres, les ministres, pour nous parler ensemble avec lui publiquement. Sous estime ou pas besoin de tout bagage ça avec lui encore, ou capable d'inviter pour faire les questions orales. Ou capable de convoquer pour faire le budget. Ou capable d'interpeller. Ça, c'est sa fonction, sénateur, à dire capable de faire pour contrôler, pour comme pouvoir pour contrôler pour le peuple là. Je dis à moi-même, moi, je dis ça pendant la séance. Il y a une importance de la Petro-Caribe. Il permet de nous avoir toute lacune que nous avons gagnée. Mais tout le monde qui est là, c'est sénateur. Et c'est le peuple qui choisit pour faire le travail. Mais est-ce que tout le monde a travaillé là bien? Est-ce que tout le monde a travaillé qui pouvoir, qui s'est au café, qui s'est au pas café? Malheureusement, ça n'a pas de fait. Vous ratez l'occasion pour faire. Mais vous avez l'autre possibilité encore nous pour nous faire. Là, je parle de ça, la loi dit, de sa constitution dit. Je ne parle pas de monde qui a fait but. Il y a une possibilité parce que je crois que c'est l'article 233. Constitution, je crois que c'est l'article 233. Je me dis, je viens de le dire, je ne sais pas si je m'ai oublié. Mais je crois que c'est l'article 233. Je crois que la Constitution qui baille coup des comptes, obligation chaque année, pour faire un rapport sur l'efficacité des dépenses publiques. Autrement dit, dépenses qu'a fait dans cadre plutôt caribé tout comme des dépenses publiques coup des comptes qui lui même qui c'est organe technique qui gagne pouvoir pour ça qui gagne capacité chaque année il supposé voyer rapport ça by sénat ça veut dire que si gagne bagaille sénateur pas de carré parce que techniquement c'est pas domaine parle il tout wéo dans zone ça et donc, c'est bas sénat vous le voyer dans sénat donc c'est pour sénat là pour sénat là travail pour sénat qu'est-ce qui nomme tout coup des comptes c'est sénat combinaison sénat avec président de la république. En combinaison. Okay. Choisi et puis président nommé. Okay. Donc, ça veut dire que tout côté ça, c'est possibilité selon la loi, selon les normes que nous avons adoptées pour faire travail ça. Le plus la souvent, loi te dit ça. La, oui, ah, qui te regarde le 233. Non, alors, précision que besoin. Oui. Loi parler de ça. Et si ah, nous attendons. Maintenant, je pense que c'est moi qui parle. Vrai. Non, parce que moi, c'est la constitution qui dit. Non, moi, je parle d'après tête pas. Nous ne la rapporter de tout le monde. Pas de monde qui pas. Qui pas doué qu'on est, sa constitution dit. Faut que moi vérifie. Donc là, qu'on y a ses applications constitution. S'il pas 233 là, on a un problème. Bon, allez. En vue d'exercer, vous avez bien raison, 233. En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret au début de chaque session ordinaire une commission parlementaire de 15 membres, dont 9 députés et 6 sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des ministres pour permettre aux deux assemblées de leur donner des charges. Cette commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle. Article te dit, c'est pas les mêmes, mais ça a son article tout, nous avons le vinsouli après. Nous avons parlé de questions pour des comptes là. Si pas je ne là, mais avant de finir là, je ne quand même, mais ça c'est une tout. Autrement dit, parlement, tout le monde connaît ça. C'est ça sur, ou les commissions bicamérales? Les commissions bicamérales. Là, son premier, je me suis parlé de parlement qui doit faire chaque année. Hein? Chaque année. Chaque année. Et autorité ça, autour, chaque année, il faut que tu aies un décharge annuel.
qui pas décharge définitive là. Autrement dit, ça c'est des outils techniques qui t'a capable permettre que parlement garder qui ça va aller bien, qui ça pas aller bien dans l'exercice de contrôle. Mais deuxième bagarre là, c'est 233. Pour vérifier travail ça, une commission dans le Sénat yo fait pour ça. C'est la commission de décharge. C'est-à-dire que moun sa k'ap diriger l'état en permanence ou bien c'est chaque fois au besoin décharge yo fait ou bien que li là. Non, commission ça gon commission yo formé chaque année. Par exemple, li là pendant toute année. Li là, yo commission spéciale mixte ou paritaire et article 204 qui en dedans règlement interne. Commission mixte ça lui-même, li gen pour la garder d'abord si parlementaire qui dans bureau yo puis au prononcer sur décharge pour président Kestoya, mais ensuite tout pour garder pour l'autre monde qui dans administration publique là tout. Donc travail ça que n'a dit là jodi a même monde la loi te dit pour te faire, malheureusement ça a toujours passé. Maintenant, yo poser une question ça en pile de me parler comme ça. Maintenant, qu'adviendrait-il que c'est là qu'en pile l'argent dans pays qui était capable aider monde joindre route, joindre l'hôpital, joindre courant et puis gagner des monde qui dirigeant yo prend l'argent ça pour détourner et puis peuple là toujours à souffrir. Est-ce que ça veut dire que le moun yo te baye mandat pour te faire travail ça fin font erreur ou bien pas de compétent pour te faire et puis c'est fini. C'est ça que débat je dis. Est-ce que c'est fini yo frappé de incompétence ration de temporis n'a quitter moun yo comme ça. C'est ça le débat. Moi dis non. Ou toujours une possibilité pour faire bataille ça même après, même après. Même après. Et qui ça sénateur? M'a kembo là même après. Et qui ça qui blocage pour travail ça pas fait pendant mon dans la route les cabrit fin pas soit pour les faire barrière qui ça fait ça. Est-ce que tout monde était bien comprendre attribution yo? Est-ce que tout monde était capable parce que toujours ça il y a des monde qui passait dans fonction yo là on en fonction pas qu'on attribution et puis l'aide yo l'a fait buit l'aide yo l'a font paquet de buit un il pas jouer fonction deux si bagarre là gon problème qui fait pas car efficacité pas dégager pour proposer une loi pour ranger li et puis nous préférer chaque jour parce que peuple là nos misères n'a fait bu avec Christ nous pas en prendre voix pour nous résoudre problème véritablement et puis on a prend popularité tout vous c'est d'eau discours plus facile là le passé des pour venir avec livre principe on doit des bobines même sous pas référence n'est qu'a fait bu et puis le comme ça c'est lui même qui gagne mais c'est méchant yo connaît ça fait bu peut-être lui non l'a fait bu parce que il pensait l'a passé sous faiblesse population qui dans misère véritablement espérant que après le voter pour ça seulement et puis plus ça change plus ça c'est la même chose plus c'est la même chose. Alors c'est là d'où alors dans population relé ba là bon content de tout dans bouche parlementaire quelques parlementaires qui a dit partage de responsabilité oui c'est pas le fait que mon jugé parti à la fois ni pas qu'à juger propre tête parle parce que s'il jugé au ministre ou bien s'il jugé n'importe qui monde qui a fait exécution mal là que lui même tout lui gain main invisible là-dedans ou bien non n'a vienne paraître voilà ben est-ce que c'est ça que les partage responsabilité a obligé pas. Non seulement responsabilité à partager, mais encore tout. Reste en bas table à partager tout. Partager, bon, je préfère non prendre ça formel là pour me dire que partager responsabilité, c'est une obligation de régime politique que nous abordons là. Mm-hmm. Nous sommes capables de remettre en question le résultat que le bail pour la transition démocratique là, je dis, pour nous dire, non, bah ouais, ça va permettre de payer avancer nous. Mais moi-même, je connais tout. Ou pas qu'à faire l'autre bagaille tout en régime ça. Autrement dit, pour résoudre le problème là. Ce n'est pas mon cap parler, cap faire bien, mais quelle est la solution que vous proposez? Il faut que vous soyez en mesure de proposer des solutions législatives, institutionnelles. Tu ne vas pas faire bien matin, midi, soir. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour venir avec une solution constitutionnelle? Pendant nous par exemple, pour cette question de Petro-Caribé, il y a un pile de monde de bonne foi qui n'est pas content parce qu'il n'a pas senti que la rente est bien dépensée. C'est légitime. Il n'y a pas guérison, il n'y a pas guérison tout. Mais les politiciens font comprendre que M. Kedler était anti-enquête, c'est parce que je suis content qu'il fait me soulever. Alors que pour moi-même, en tant que parlementaire, le privé, c'est garder qui ça au bon moi. Je garde moi, un, pas de supposer qu'il y ait une commission pour ça. Parce que pour te faire pas commission. Pas supposer qu'il y ait une commission. Non, rapide. Pour faire commission ça, il faut que les sanctions soient capables de prendre. Et sanction, c'est destitution si le Sénat a érigé dans haute cour de justice. Destitution qui est? Autorité qui t'a épinglé. Autorité va aller déjà. Et on va là encore, donc on ne peut pas faire ça. Qui ça va le faire? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Obliger de tendre coup des comptes, parce que c'est coup des comptes qui a pouvoir pour ça. Mais avant ça. Coup des comptes qui a pouvoir pour même le monde. Pour l'enquêter, oui. Donc, pour l'ADL. Oui, c'est lui-même. C'est lui-même parce qu'il faut que mon nom vienne des charges. Okay.
Ouais, c'est bien son gré d'hypothèque. Tout le monde qui a pile caille, pile bagaille, même si petit il a mouri à cancer, même s'il a toute qualité problème, il va pas dépenser l'argent, il va pas vendre. Ça veut dire que il pas travailler encore. Il va pas venir ministre encore. Ça veut dire son monde qui est presque éliminé. Donc il a besoin de décharge là. Donc pour jouer une décharge ça, institution qui l'a pour analyser, pour aller étudier, faire audit compte monde pour garder s'il était bien dépenser l'argent, il y a un organe que la constitution a créé dans l'article 200 qui relève la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc c'est Wally ça. C'est Wally ça. Et c'est ça qui fait que. Mais il n'est pas institution politique. Non, c'est indépendant. Technique. Il est bras technique parlement. Son tribunal lié. Une institution politique, un tribunal lié tout. Ils sont institutions à caractère financier, mais ils sont juridiction tout. Ils sont tribunal. Okay. C'est le seul tribunal administratif qui est dans le pays. Et c'est ça qui fait que, l'homme temps dont on a dit, un juriste. Vous pensez comme si moi-même, je pas prendre liberté comme ça pour me parler comme ça. Comme je ne peux pas dire moi-même, qu'on doit remplir. Je suis professeur de droit, mais je ne peux pas être professeur de droit. Tout. Quel professeur que tu es professeur? Quel professeur que tu es professeur, je ne peux pas écouter là. Vous pensez que je ne peux pas prendre liberté pour me corriger comme ça. Leur parler, je dis, oui, ben là, c'est dans tout le temps des sénateurs pour plan dit ça là. Ben là, c'est la justice qui peut être chez lui. Quand est-ce qu'on s'allie par la justice? Par contre, soit ça me dit là. Je ne peux pas demander ça, c'est pour dire si vous êtes contre la justice. Oui, bah, l'a juger les conflits de l'administration et les ça pour me obliger retourner dans deuxième année droit encore. Il doit les moun. Oui, m'obliger retourner dans deuxième année droit encore pour me dire mais comment justice pas nous organiser et malheureusement représentant ministre juste pas comprendre ça. Et c'est ça qui fait que me dit il faut qu'il prend expert haïtien qui va expliquer comment droit haïtien fonctionner. Nous même nous consiste ça, on parle madame. Madame, me dit dire ça. Me dit ça parce que c'était dommage pour les Nations Unies que le cas au monde qui pas même qu'à maîtriser un système judiciaire. Donc moi-même, nous avons un système judiciaire, c'est pour nous connaître est-ce que le dualiste ou bien moniste. Dualiste, là, veut dire est-ce qu'il y a deux ordres de juridiction. Deux ordres de juridiction. Un ordre de juridiction pour les conflits d'ordre à caractère privé, citoyen, tribunal de paix, tribunal civil, ça va être tribunal de paix instant, ou pas d'accord encore. Appel, après appel, cassation. Ou est ordre ça? Et puis il y a un autre ordre encore qui sont ordres juridictionnels administratifs. Pas nous, nous avons ordre juridictionnel administratif parfait, nous avons ordre juridictionnel administratif imparfait. C'est-à-dire que il n'y a pas les différents degrés de juridiction pour arriver dans la cassation, même avec l'autre plateau. Même en France, les mêmes cassation en France, là, pour ordre privé, c'est coup de cassation, mais l'autre cassation pour ordre administratif, là, c'est Conseil d'État. Et puis, il y a une qui est en tête, qui c'est le Conseil constitutionnel. Ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour la France. Et pas nous, nous avons coup de cassation pour ordre privé, mais nous avons ordre imparfait, qui c'est coup des comptes comme seul tribunal administratif qui bagne les différents degrés de juridiction. Coup des comptes comme ça. Coup des comptes. Li ou comme ça n'est oui, c'est lui-même. C'est lui-même qui crampé là. Mais après l'elle finit, l'obligé retourner en cassation mais donc il y a bon vice-versa. Il y a le problème c'est que en droit sous bail citoyen à la justice ou pas la possibilité pour contester une décision que on monte capable prendre par mauvaise foi, ouais. Par incompétence ou violer droit et principe ça Nations Unies relève le droit d'accès à la justice.